Ça va, Julie, on ne te dérange pas? C'est intéressant, au moins, ce que tu lis. Oh oui, très. Je regarde ce qui se fait pour cet été, et puis surtout les couleurs qu'il faudra porter pour être dans le coup. Oui. Bah, on est déjà dans le coup, Julie. On porte des couleurs toniques qui mettent de bonne humeur. Tiens, tu as raison, Philippe, à ce propos. Est-ce que vous connaissez le langage des couleurs? Non, pas vraiment. Tiens, par exemple, le jaune. Mais lorsqu'on porte du jaune, on est en forme toute la journée. Car le jaune, c'est la couleur du miel, de l'or et du soleil. Oh, je suis sûr que c'est la couleur préférée de Picsou. Pas de doute si c'est la couleur de l'or. Et en ce qui concerne le rose, Nicolas? Eh bien, le rose, c'est un mélange de rouge et de blanc. Le rouge étant la couleur de la passion et le blanc, celle de la pureté. Donc, on peut dire que lorsqu'on porte du rose, on est à la fois tendre et délicat, mais passionné. Bah, dis donc, Nicolas, tu en sais des choses. Ah ça, je dois dire qu'on ne se lasserait pas de t'écouter nous parler des couleurs comme ça. Mais je suis sûr que nos jeunes amis ont aussi très envie de découvrir le programme de l'émission d'aujourd'hui. Alors allons-y, nous verrons une nouvelle aventure de Winnie l'ourson où nous retrouverons notre ami Porciné, tremblant de peur après que le vent l'ait emporté ça et là dans la forêt des rêves bleus. Nous verrons aussi l'histoire de trois adorables petits chats qui trouvent refuge dans une jolie petite maison. Nous retrouverons nos amis de la bande à Picsou avec Mystique livrant aujourd'hui un drôle de combat avec une ombre. Puis nos rubriques courrier et les animaux en question. Aujourd'hui, nous parlerons des lamantins, sans oublier un reportage à Euro Disney. Mais tout de suite, un dessin animé avec un petit élan, dont on se moque toujours à cause de sa petite taille. C'est bizarre, mais ça me rappelle quelqu'un. Voici Maurice, le petit élan. Bien joli moral. Enfin, dommage pour ceux qui viennent seulement de nous rejoindre, vous venez de rater le premier dessin animé. Mais rassurez-vous, Julie va nous rappeler ce qu'il y aura dans ce Disney Club mercredi. Dans quelques instants, mon ami Winnie l'ourson, puis une belle histoire avec des petits chatons, nos amis de la bande à Picsou, nos rubriques habituelles, le courrier et les animaux en question, où nous parlerons aujourd'hui des lamantins. Mais encore un peu de patience, tout ça, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Nous voici de retour dans le Disney Club et nous allons retrouver tout de suite Winnie l'ourson et surtout Porciné qui a eu très peur après être allé dans la forêt des rêves bleus. Voici Winnie l'ourson. Dans quelques instants, nous allons vous présenter les dessins que nous avons choisis. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Toujours beaucoup de courriers et de nombreux dessins. Continuez comme ça. Et voici d'ailleurs le premier que nous avons sélectionné aujourd'hui. Il s'agit de Mickey Magicien, ou Mickey Fantasia, qui nous a été envoyé par Vincent, qui nous a écrit une petite lettre où il précise qu'il adore le Disney Club et en priorité la bande à Picsou. C'est tout à l'heure la bande à Picsou, alors reste bien avec nous Vincent. Et Vincent nous a également envoyé un pins qu'il a fabriqué lui-même, le pins du Disney Club. Alors on va l'offrir à Philippe, bah oui, puisqu'il collectionne. Tiens, merci Philippe. Beaucoup Vincent. Voilà. Ah, ça me fait très plaisir. Tu vas le mettre, tu vas nous parler du dessin suivant. Bien sûr. Regardez, moi j'ai un dessin de la petite Claire qui a 5 ans et demi, qui nous précise qu'elle a été aidée un petit peu par sa maman. Ça n'est pas qu'un dessin, c'est aussi des découpages et des pliages et des collages d'ailleurs. C'est bien parce que les parents travaillent aussi, quoi. Bien. Alors, sur ce dessin, bah, vous pouvez voir Minnie. Il y a pas mal de petites choses. Il y a des perles, il y a des boutons, du tissu. Et elle nous a aussi précisé que les fleurs viennent de son jardin. C'est super. Et on a la photo de la petite Claire en compagnie de son petit frère pour le déguisement d'un carnaval. Claire et Olivier. Merci beaucoup, je t'embrasse Claire. Il est très mignon, Peter Pan. Alors moi, j'ai un dessin de Marie-Amélie Laforêt, qui habite Colombes, dans l'Isère, et qui donc nous a envoyé ce très joli dessin de ce cheval magnifique avec une très belle crinière blonde. Voilà. Un arbre en feu. Et je crois qu'un colis vient d'arriver, n'est-ce pas Sébastien? Oui. Et alors ça, c'est une surprise pour nous. Alors oui, oui, oui. Ah. Non, mais je suis au courant, on me dit plein de choses, moi. Qu'est-ce que voilà. C'est C'est des cadeaux. Chouette. Pour Julie. Merci. Pour Philippe. Oh, merci. Et pour moi. Alors, c'est des cadeaux pour qui nous envoie ça, Nicolas? Ben, je vais vous dire ça tout de suite. Il s'agit de Céline Fouillet, qui habite en Haute-Savoie et qui adore le Disney Club également. Elle est très gentille. Non, mais quand on dit envoyez-nous des cadeaux, ça nous fait plaisir quand vous nous écoutez et que vous nous les envoyez. C'est une très très bonne idée. Elle nous a dessiné un joli Mickey. Le voici. Et elle nous a même mis sa photo avec son petit chien. Voilà, regardez comme elle est mignonne. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme cadeau? Moi j'ai une charmante petite bague.
Oh, et puis chouette. J'ai également un petit dessin de moi avec un petit cœur, mais voilà. Et ben moi, je vais pouvoir me régaler. Ah oui, t'as eu des gâteaux toi aussi? Bah aussi, oui, j'ai eu des gâteaux. Vous êtes tellement gourmand qu'on finit par vous envoyer des gâteaux. J'en ai plus que toi, moi. Tiens, le goût que. Très bon. Il y a également un petit mot. C'est quoi ça? C'est moi. Elle m'a dessiné. L'histoire du Disney Club. Oh, bah je vais lire ça très vite. Alors bravo à toi, c'est super gentil ce que tu as fait. Merci bravo. Beaucoup. Un autre dessin beaucoup. Oui, j'ai un autre dessin. Il s'agit du dessin de la petite Jennifer qui a 8 ans. Elle nous a également envoyé sa photo. Elle nous a dessiné tous les trois dans le coin cuisine, dans le Disney Club du dimanche. Et comme par hasard, Nicolas a les doigts dans la bouche. Toujours aussi gourmand, hein, Nicolas? Évidemment aussi toute la bande de la bande. Picsou, Riri, Fifi, Loulou, Zaza et l'oncle Picsou lui-même. Et c'est la photo de Jennifer, elle est en train de s'entraîner. Allez Philippe. Ah, quant à moi, c'est le petit Ivy qui a 11 ans qui m'envoie ce dessin. Regardez, bah, c'est Julie en mini, mais alors mini très en colère après Nicolas Dingo qui a certainement mangé encore pendant la séquence cuisine. Et puis moi, je suis en petit bébé Donald. Et je rigole, je me moque de vous. Alors, vite fait, un petit dessin de Donald qui cueille une fleur, enfin qui plante une fleur pour sa Daisy, avec la petite photo de Alison, qui a 7 ans, et qui nous écrit de Belgique. Alors si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer plein de cadeaux, plein de dessins, plein de photos, n'hésitez surtout pas. Voici notre adresse. Le Disney Club mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Mais tout de suite, retrouvons l'histoire de trois adorables petits chats. C'est parti! Ah, heureusement, tout se termine bien pour ces trois adorables petits chatons. Et puisque nous parlons d'animaux, je suis sûr qu'il est l'heure maintenant de retrouver notre rubrique Les animaux en question, n'est-ce pas Julie? Absolument Nicolas, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de chatons. Non, non, c'est la question d'Adeline que j'ai sélectionnée. Adeline qui habite Vigneux et elle nous transmet un grand bonjour. Alors bonjour à toi Adeline. Bonjour, bonjour Adeline. Et regarde ce que tu as gagné grâce à ta question, le sac du Disney Club que te montre Nicolas. Avec le compact disque du Disney Club, la boîte de jeux du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, une bande dessinée, une paire de bretelles et un guide pour ne pas se perdre à Euro Disney. Et la question d'Adeline, pourquoi les lamantins sont aussi appelés sirènes des mers? Ah oui. Alors là, personnellement, je reste dubitatif, pour ne pas dire complètement interloqué. Bref, en un mot, tu n'en sais rien. Pour être très franc, c'est vrai Julie, je n'en sais rien. Rassure-toi Nicolas, nous allons le savoir bientôt. Mais tout d'abord, regardons ce qu'en pensent nos jeunes amis. Pourquoi les lamantins sont aussi appelés sirènes des mers? Parce que sa queue est la même forme que celle d'une sirène. Parce que quand les sirènes chantaient, les hommes se jetaient du bord. Et le lamantin aussi, il pousse des cris un peu comme les sirènes. Parce qu'il se déguise en sirène. Parce qu'il est aussi beau que la sirène. Il émet des sons en lamentation et en plainte. Parce qu'il sait chanter et qu'il a la queue comme une sirène. C'est un gros phoque qui a à peu près le même cri que la sirène. Et il peut marcher sur sa queue. Il a vu la petite sirène au cinéma, alors il a dit j'ai envie d'être sirène. Il a des mamelles très apparentes comme la sirène. Le lamantin a des écailles comme la sirène. Parce que le lamantin a des cheveux longs. Je ne voudrais pas dire, Julie, mais nos petits amis n'en savent pas plus que moi. Hein. Et oui, alors Julie, quelle est la bonne réponse? Eh bien, regardez. La première fois que Christophe Colomb aperçut cette forme ronde nageant entre deux eaux, il était persuadé avoir enfin trouvé la mystérieuse sirène des contes et légendes. Mais il avoua qu'elle n'était pas aussi belle qu'il se l'imaginait. Depuis ce jour, les lamantins sont appelés aussi sirènes. Et si les lamantins ont bien un corps qui se termine tel une queue de poisson, là s'arrête toute ressemblance.
Comme les phoques ou les baleines, les lamantins sont des mammifères qui ont besoin de venir respirer à la surface de l'eau. Mais à l'inverse des phoques, les lamantins ne viennent jamais sur la terre ferme. Ils passent leur journée à brouter les algues, entre 25 et 30 kilos par jour, ce qui leur a valu le surnom de vaches marines. Les lamantins sont imposants. Ils mesurent entre 2,50 m et 4 m de long, et leur poids atteint aisément 600 kilos. S'ils ne sont pas aussi beaux que les sirènes mythologiques, ils en ont la douceur et la grâce. Autrefois abondants, les lamantins sont devenus extrêmement rares. Protégés par la loi, ils ne survivent aujourd'hui que dans les parcs nationaux. À mon avis, pour ressembler vraiment à des sirènes, ces jolies petites bêtes devraient perdre quand même quelques petits kilos. Enfin bref, tous ces reportages que nous voyons le mercredi, moi ça me plaît beaucoup. Et si vous aussi, vous avez des questions à nous poser sur les animaux, vous n'hésitez surtout pas à nous écrire. Mais il est temps maintenant de retrouver nos amis de la bande à Picsou, avec cette horrible mystique face à des ombres bien inquiétantes. Voici la bande à Picsou. Ouais. C'est le plus grand boss de toute la ville Picsou. Dans quelques instants, un reportage à Euro Disney, mais encore un peu de patience. C'est dans la suite du Disney Club mercredi.